est en danger. Un terroriste terrorise les habitants qui sont terrorisés. Aux quatre coins d'Orléans, des bombes explosent. Clyde, Cliff et Clint, trois agents sous-entraînés, sont le dernier espoir des habitants. Bienvenue dans Keep Talking and Nobody Explodes. On veille sur toi, Clint, ne t'inquiète pas, on est là. J'ai peur, au secours. Alors attends, je commence section 3. Oh, j'ai pas tout le tas de section 3. Un message caché. Allez, c'est parti. Donc, 5 minutes, 3 modules, 3 strikes. Let's go. J'ai peur, il fait tout noir. J'ai peur. Attends. Il y a le module poule mouillée qui est actif là. Ah oui. Alors, j'ai un bouton, j'ai un chronomètre, j'ai une séquence et j'ai le code de chiffres, de lettres. Bon, attends, comment ça... Ah, pas grave. Oh, bouton. Bouton bleu... C'est le seul que je... Ah, les autres, je sais même pas de quoi tu parles, en fait. Bouton bleu écrit abort. Bleu écrit abort, ok, tu restes appuyé. Tu restes appuyé, ouais. Alors... Bleu. Il te faut un 4. Ok, ça c'est good. Ensuite, j'ai séquence. Séquence. Ah oui, avec le numéro, il faut que j'appuie sur le numéro. Ah, t'as les stages. Ah oui. C'est séquence aussi, c'est pareil. Ah ouais, mais bon. J'avais compris, moi. Pas moi. Ok, vas-y, je t'écoute. Alors, j'ai un 4. Tu as un 4 en quatrième position. Quatrième bouton. C'est un 2. Ok. Ensuite. Oh putain de chien. Pas de SMS au boulot. Ouais. j'ai un 3. La première position. Alors, c'est un 4. Ensuite, j'ai un 2. Celui qui écrit 2. C'est en deuxième position. J'ai un 4. La même position qu'au stage 2, donc en première position. C'est un 4. Et pour finir, j'ai un 3. Tu as un 3, same label en 4, donc l'écrit numéro 2. Écrit un 2. Non. C'était pas le écrit 2. Same label qu'au stage 4, et le stage 4, c'était un 2 en deuxième position. T'es sûr? Bah c'est ce que j'ai écrit. Putain, puis il fait tout nuit, là. Bon, bah écoute, tant pis. Reset. Strike. Ah merde. Alors attends. Vas-y, enchaîne. Ça a recommencé, j'avais un 4, j'ai appuyé sur le 2. Qui est en quatrième position, c'était juste. Je sais pas pourquoi, mais... Bon, ok. Là, j'ai un 1. Donc du coup, on est en quel stage? 2. Tiens. Alors attends, parce que comme tu nous as pas... J'ai pas pris en note, moi, la première partie. J'avais un 4, j'ai appuyé sur le 2, qui était en quatrième position. Le 2 en quatrième position. Ok, et là, tu as... Un 1. Tu appuies sur le bouton marqué 4. Il est en quatrième position. Ok. J'ai un 3. Le bouton en troisième position. C'est un 1. J'ai un 1. Même position que le premier stage. Quatrième position. Ouais. Ok, c'était un 4. Ok. Et j'ai un 4. Celui qui est écrit numéro 1. Ok, il est en quatrième position. Ça c'est good, et ensuite j'ai la séquence de lettres. Là j'ai... Oui. Alors... Séquence de lettres. On est d'accord, c'est pas le password. Si, c'est ça. Ah... Putain. Bon alors, vas-y. Alors... Vraiment que tu utilises les bons noms, hein, sinon on va pas s'en sortir. J-N-Y-E-S-F. Ça c'est la première... première lettre. E-S-F. Ok, alors. Vas-y. Oh putain, il reste une minute en rapide. M. Vas-y. B. U. S. V. G. La troisième. F. K. S. P. A. Q. Au secours, je vais exploser! Et après, Z.
A L M I F Z. Je fais un tour. 20 secondes, rapide. Essaye Evry. J'ai pas de E. Baboum. Ouais, on a perdu trop de temps entre le fait qu'on n'utilise pas les bons mots pour savoir ce qu'on fait et ouais. Et qu'on soit planté sur le stage. Ouais, classique. Faut qu'on utilise vraiment les bonnes terminologies, quoi. Si déjà on est obligé de se mettre d'accord sur quel est le module, forcément ça va pas. Hein. Ouais, c'est bon, pas ouais, grave. Je recommence. Allez, vas-y, on recommence. Bon alors. J'ai trois modules, toujours un stage, les fils horizontaux et un password. Bah vas-y, balance le password, comme ça je commence à bosser dessus pendant que vous faites. C'est ça. Alors, première lettre, U, P, Y, J, W, Z. En deuxième, U, W, E, H, D, B. En troisième, Z, B, M, X, T, I. En quatrième, D, O, F, C, S, Y. Vas-y, c'est bon, arrête-toi là. J'aurais tout okay. On fait le stage. Vas-y. Alors, j'ai un 3. Tu as un 3. Tu appuies sur le bouton en troisième position. C'est un 2. J'ai toujours un 3. Tu appuies sur le bouton première position. C'est un 4. Ok. J'ai un 4. Tu appuies sur le bouton afficher 4. Il est en quatrième position. Ok. J'ai encore un 4. La même position que le stage 2, donc c'est-à-dire la première. C'est un 2. Ok. Et j'ai un 1. Le même label qu'en stage 1, donc le 2. Affiché 2. Ouais, c'est bon. Et les fils horizontaux. Le mot de passe. W-H-I-C-H. Witch. Witch. W-H-I-C-H. H-I-C. Yes. C'est good. Et il reste les fils horizontaux. Petit peu dans le nez. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Les jaunes ? J'ai un jaune. Ok. Est-ce que tu as plus d'un blanc ? Oui. Tu coupes le quatrième. Yes, 2,39. Voilà. Parfait. Ouf. On est sauvé. Surtout toi. Ouais. Nous à l'abri à la base, on s'en fiche un peu, Clint, si tu exploses. Bande de salauds. L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Je vais les éparpiller façon puzzle. Puzzle. Façon puzzle. Ouais. Ouais. Allez, la suite something different. Film, ça. Ouais, tonton flingueur. Ah, moi je pensais plus à Apple. Ah non, c'est tonton flingueur. Bah, something different. Ah non, non. Éparpillé façon puzzle. Ah oui, oui non, c'est d'accord. Le tonton flingueur, exact. Okay. Alors, 5 minutes, 3 modules, 3 strikes, toujours. Hein. Ok. Il fait encore tout nuit, j'ai peur. Allez, balance tes modules, normalement t'arrives à les voir dans le noir. Ouais, c'est vrai, je m'appelle Spider-Man. Alors, j'ai le chronomètre, et si je retourne, j'ai des fils horizontaux, des fils verticaux, et les stages. Alors, vas-y, stage. Non, attends, qui c'est qui prend les fils verticaux, là ? T'inquiète, maintenant, on maîtrise tous les deux avec Jonas. Stage. Ok, stage. J'ai un 2. Tu as un 2 en deuxième position. C'est un 1. Ok. Ensuite, j'ai un 4. En deuxième position. Un 2. Ok. Ça passe. J'ai un 1. Faut que tu presses le bouton écrit 2. Il est en quatrième.
Ok. J'ai un 2. Le bouton en première position. C'est un 2. Ok. Et j'ai un 3. Le bouton qui est écrit 2. Il est bon. Ça, c'est bon. La suite. Fil vertico, vas-y, balance. Ouais. Alors, j'ai un fil bleu avec la LED d'allumée et une étoile. Alors, fil bleu, LED, étoile. Donc, bleu. Voilà. Ensuite, j'ai un fil LED. Rouge. Attends. LED. Bleu, étoile. Ah, j'ai plus de lumière. Il fait tout nuit. Je dirais qu'il faut pas le couper, ça doit être le D. Tu confirmes coloring. Ouais. Bleu, étoile, LED, je dirais D, do not cut. Je valide. Okay. Ensuite, j'ai un rouge avec une étoile. Rouge, étoile. Donc, rouge, étoile. Je dirais P. Non, C, alors... pardon. Ah non, j'ai donc pas cut. De C, moi. Bah, rouge étoile, pour moi, c'est le C qui est à gauche. Cut, je valide. Ouais, je coupe. Okay, cut. Ouais. Ok, ensuite, j'ai un rouge tout court. Donc, S, tu ne coupes que si le last digit est pair sur ton numéro de série. Alors, attends. J'ai un 0. Donc, oui. Donc, je coupe. Bah non. 0, il n'est pas considéré comme un chiffre pair. Bah, si. Non. D'accord. Bah, pour moi, non, mais ok. Pour moi, non plus. Si, j'ai coupé, c'est bon. Bon. Ensuite, j'ai bleu et rouge. T'as bleu plus rouge. Je dirais S encore. Ouais. Tu coupes si t'as un numéro de série pair. Donc oui. Ok. Si c'était bon, tu coupes. Ensuite, j'ai bleu et rouge plus une LED. Donc bleu et rouge avec une LED. D. D. Ouais. Non, D c'est LED plus étoile pour moi. Pour moi, ce serait S, juste au-dessus à droite. Arrête. Ben, il y a une... Bleu, rouge, LED. P, alors. S, oui, S. S, donc tu coupes encore, puisque les autres étaient en S. Ok, et là, j'ai un blanc avec une étoile. Donc c'est juste une étoile, en fait. Bon, peut-être. Donc c'est C, donc il faut couper. Ouais. Ok, c'est bon. Et ensuite, les fils horizontaux, j'en ai 6. Ok. Ok, t'as un jaune ? J'en ai 2. Mmh. Est-ce qu'il y a exact... Non, alors attends, tac. Est-ce que tu as des rouges ? Non. Tu coupes le dernier. Yes. Bizarre quand même, cette réflexion du zéro pair. Bah oui, zéro c'est pair. Ah, il est juste ni impair ni pair, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc moi, je me serais vraiment posé des questions, ouais. Bah peut-être que comme il est ni impair ni pair, ça marche si tu coupes ou si tu coupes pas, en fait, peut-être. Ah, ça marcherait dans les deux. Non, parce qu'en fait, les chiffres impairs, c'est 1, 3, 5, 7, 9. Et si tu veux, le chiffre 10, il se termine par un 0. Et tu dis, c'est pair. Ouais, après, ça dépend de la réflexion du terroriste, hein, j'ai envie de dire. Ça dépend d'où il vient, s'il ouais. est... Ah, je reçois un nouvel appel sur la radio. Ah putain, encore. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il y aurait une bombe. Ah ! Elle serait placée sur les rails de la gare. Merde ! Attends, j'y vais. 5 minutes, 4 modules, 3 strikes. Je vais me cacher derrière un train. En plein jour férié. Je vais les infos avec des jumelles et j'enverrai quelqu'un d'autre appuyer sur les boutons. Je vais lancer des cailloux pour couper les fils. Alors, j'ai... Type de bras cassé. Ouais, j'ai un bouton, un code morse, nom de Dieu, les mots et puis des fils verticaux. Bon alors, le bouton... Balance le morse. Ouais, on va commencer par ça, comme on sait que c'est pas ta... Ouais, c'est ta clair. J'ai 3 courts. Un long. 2 cours, 1 long. 2 cours, 1 long. 3 cours. Ça, je trouve pas ton 2 cours. 1 cours. Ah, si. Long, court, court, long. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour là. Bah, déjà, ton 2 cours, 1 long, c'est un U et il n'y a aucun U dans les mots.
peut-être on n'est pas obligé de voir autre chose. Ignore-le. Vas-y, rebalance. Alors. J'ai trois courts. Un long. Un court. Deux courts, un long. Allez, un long, deux courts, un long. Un long, deux courts, un long. Et là, j'ai fait un tour. Va falloir que tu retravailles ton morse. Hein. Ouais. Parce que ouais, là, le seul X qu'il y a, il n'y a pas le T que tu nous as donné. Donc soit c'est le X qui est faux, soit c'est le T qui est faux, mais... Je parierais pour le X, pour le T faux, moi. Bah essaye 3535, alors. Non. Bah ouais. Oh, putain. D'accord, ok. Donc c'est le X qui est faux. Bah, ouais, ça veut pas dire que le T est bon aussi. Bah ouais, c'est ça. Et il y a un court long, j'ai l'impression, aussi. Ah, ça c'est un A que tu nous avais pas encore donné. Essaye 3582. Ouais, c'est ça. Putain, alors, j'ai les mots. J'ai your, Y-O-U-R. Alors. Milieu droite. Milieu droite, c'est hold. Non, c'est pas ça. First. C'est pas haut. C'est first. Non, mais tu, quand on te dit milieu droite, tu nous donnes juste le mot, mais tu cliques pas dessus, hein. Ah merde, putain, moi j'ai cliqué dessus, moi. Bah non. Putain, le con. Eh, hey, je suis un débutant, hein. Ouais, j'ai first, là. Alors, en haut à droite. Haut hein. Droite. Haut droite. Nothing. U, 3H. Ouais. Right. Après, j'ai yes. Milieu gauche. Milieu gauche. UH, HUH. UH, HUH. Your. You are. You. Don. Don. Ah non. You are, c'était quoi? UR? J'ai non. Explosé. C'était pas UR. Bon bah allez, on a fait. C'était You are. YOUARE. Sinon j'aurais ouais, dit Your. Ou Your. Non, mais... avec accent. C'est comme les UH et les... avec les HUH, là, il faut qu'on les épelle, ceux-là, parce qu'ils sont trop traîtres. Bah, ça dépend. Si c'est your attaché, tu dis your. Si c'est your, après, tu mais dis apostrophe R-E. Mais non, parce que t'as aussi your, Y-O-U-R. Donc comment tu fais la différence entre your, Y-O-U-R et Y-O-U, apostrophe R-E? Mais tu dis your, apostrophe R-E. Your, apostrophe R-E. Ou your, ouais. Apostrophe tout court. Ouais. Clairement. Bon, allez, vas-y, on recommence. Allez, c'est reparti. Cliff utilise sa dernière vie. Mais je crois qu'il a encore un chat chez lui, donc ça va. Ouais. Alors, j'ai les stages, j'ai les symboles, j'ai le password et j'ai les fils diagonaux. Okay, go password. Clint. Go password. Password. Alors, première lettre B A L S G T. Deuxième lettre P Y V C H X. Troisième lettre D L P S I M. Et D, mais je crois que c'était la première ça. Quatrième, Z, N, D, A, F, X. C'est bon? Ça va le faire, vas-y. Ok, passe au stage, Clint. Ok. Clint bosse sur les passwords. C'est bien ça. 1. Alors, le 1, tu presses la seconde position. C'est un 2. 3. Tu presses la première position. C'est un 4. 3. La troisième position. Hop,
là j'ai un 2. La troisième position, c'était quel chiffre? Merde, c'était un 3, je crois. Ok, là maintenant t'as un 2. Première ouais. position. C'est un 3. Et là j'ai un 3. Tu presses le bouton numéro qui a écrit 3. C'est bon. Ensuite, j'ai les symboles ou les fils diagonaux? Bah vas-y, balance les symboles. Alors, les symboles, j'ai le trident, une étoile pleine, le P à l'envers là de Word et le BT. Alors. Ok, trident. Ouais. BT. Mm-hmm. Le passage à la ligne et l'étoile pleine. Yes. Attends, ça snooze. J'ai le password. Ok. J'écoute. Alors, problème, il me faut absolument la deuxième lettre. Le password, c'est soit Thing, T-H-I-N-G, ou Sync, T-H-I-N-K. Donc il te faut la dernière lettre. Alors... C'est Sync, c'est un K. Okay. Vas-y, T-H-I-N-K. C'est bon. Voilà, et ensuite, les fils diagonaux. Vas-y, je suis prêt. Alors, j'ai un rouge en A. Alors, le rouge en A, tu laisses. Ok, et ensuite, j'ai un rouge en C. Tu laisses aussi. Ok. Ensuite, j'ai un bleu en A. Tu laisses. Et un bleu en A, encore. Tu coupes. Celui-là, je le coupe. Et j'ai un noir en B. Tu coupes. Ok. Ah, il fait tout nuit. Voilà, j'ai un rouge en A. Alors, un rouge en A, tu coupes. Et ensuite, un noir en A. Tu coupes. Ok. Et ensuite, j'ai un bleu en B. Bleu en B, tu coupes. Un noir en C. Noir en C, tu laisses. Et un rouge en B. Tu laisses. Good. 1 minute 10. Parfait. On a sauvé la gare après une première explosion. Franchir la gare. On va rentrer à la base et Cliff va partir sur le terrain. Ah putain, j'ai les heures. C'est clair, je suis trop un débutant moi. On a perdu un train sur les deux. Bon allez, c'est pas mal, 50%. Hein.